Je me présente. J'ai 35 ans. J'ai des ovules bientôt en rupture de stock. Et je n'ai pas de temps à perdre. Et pourtant, j'ai tout essayé. Le bourrou, les recettes de grand-mère, les recommandations des marabouts, mais ça ne marche pas. J'ai même consulté la moitié des voyants de la Tunisie, mais non. J'ai assisté à tous les mariages de la famille, proches ou éloignés. Je ne manque aucune occasion pour m'y afficher. Je me donne tant de mal à me louer des robes décolletées, à être sur mon 31, à me maquiller, à faire une coiffe à Sandina, mais ça ne marche pas. Pourtant, je suis charmante, je suis gentille, je suis sympathique, je suis même sans nef. Hein. Mais non, je suis prête, mais c'est l'homme qui manque. Et puis les hommes, c'est devenu une obsession pour moi. Aujourd'hui, je les vois un peu partout, je les guette, au marché, au train, dans la rue, partout. On dirait que le fameux Cupidon dont on parle avec sa flèche m'a raté, m'a zappé ou qu'il ne m'aime pas. C'est affreux. C'est affreux de me retrouver chaque soir dans mon lit froid à enlacer mon oreiller. Parfois j'en pleure jusqu'à ce que toutes les larmes de mon corps se dessèchent. Je me réconforte en me disant avec un brave tchazet qu'il ne faut pas insulter l'avenir. Qui sait ? Alors, pour surmonter un peu mes coups de blues, mes états de solitude, je me suis trouvé un passe-temps qui est extraordinaire. C'est les feuilletons turcs. Est-ce que vous connaissez Mohand ? Il est trop canon. J'aimerais bien me marier avec un homme comme Mohand. Beau, viril, romantique. Bon, d'accord, je ne suis pas aussi beau que Mohand, mais qu'il ait de son caractère, au moins. Ok. Je pense que vous avez un peu compris pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je suis ici pour me trouver un mari. Bah, écoutez, on m'a dit que le public du TED, il est cultivé, il est intéressant. Alors je me suis dit, c'est l'occasion. Non, est-ce qu'il y a des intéressés ? Bah, très bien les gars, on se voit tout à l'heure, mais un à un, hein. pas tous à la fois. Non mais sérieusement, ce que je viens de vous dire maintenant, c'est un extrait d'un texte que j'ai écrit il y a quelques mois, que j'ai partagé sur Facebook. En le partageant, j'ai mis une petite mention en dessous. J'ai écrit « PS, cette note ne concerne en rien ma vie privée ». C'était facile à croire pour les personnes qui m'ont lu, parce qu'on savait très bien que je n'avais pas 35 ans. J'espère que vous m'avez pris pour une femme qui a 35 ans, rassurez-moi. Sauf que j'avoue que j'ai un peu menti pour cette mention. J'ai un peu menti parce que je me suis réellement projetée en cette femme. Je me suis vue en elle, je me suis incrustée dans sa peau. Et bon, j'avoue que l'image était un peu caricaturale, donc cette femme un peu névrosée, qui pleure toutes ses larmes en attendant le jour béni où un mari donc, va lui passer la bague au doigt, et pour qui donc, le bonheur ne se définit qu'en un seul mot. C'est le mari ou le mariage. Je ne suis pas comme ça. Hein. Sauf que j'avais un point commun avec cette femme. C'est la détresse du célibat. Aujourd'hui, l'Office national de la famille et de la population en Tunisie nous annonce des taux de 80% de célibat chez les hommes et des taux de 62% de célibat chez les femmes, tout en sachant que la tranche d'âge elle est comprise entre 25 et 34 ans. Et si je prends les taux de célibat chez les femmes, et je fais un petit retour en arrière, c'est-à-dire en 1984, on va trouver que les taux étaient de 24%. Donc 24, 62%. Donc les taux, donc la différence, elle est grande, quoi. Et ces taux de célibat en Tunisie sont des taux qui choquent, selon certains, et qui n'arrêtent pas d'augmenter d'une année à une autre. Et face à de tels taux exorbitants et un peu dans cette fourmilière, si je me permets de le dire, de célibataires hommes et femmes, tous les moyens sont bons pour séduire l'autre.
Et à ce propos, j'entends souvent des avis assez mitigés, assez partagés donc, sur ce sujet. Et je vais vous les relater. Il y a deux avis qui m'ont intriguée. La première, c'est concernant les femmes. Donc, j'entends dire la concurrence est rude et que pour choper un homme, je dis bien choper, on se croirait dans une chasse, il faut du travail, quoi. Plus on est à son avantage et plus on a de la chance d'être avec quelqu'un. Et que les hommes ne se laissent plus impressionner par n'importe qui. Ça, c'est pour les femmes. Pour les hommes, donc, j'entends dire des phrases du genre « des filles bien, on n'en trouve plus, toutes les filles sont devenues matérialistes, elles veulent un mec tout prêt, avec une voiture, une maison, et un compte en banque ». À partir de ces deux avis, on peut constater qu'il y a une crise de confiance un peu dans les relations amoureuses, un état de reproche de part et d'autre des deux sexes. Et pourtant, les deux parties se reprochent la même chose. C'est l'excès d'exigence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être avec quelqu'un, il ne suffit plus de le vouloir, il faut accompagner cette volonté avec des efforts. Et par effort, on entend dire donc une infinité de choix. Ça peut être que je sois bien présentable pour attirer l'autre, que je sois cultivée par exemple pour bien animer la conversation, que j'ai une voiture pour bien emmener ma bien-aimée à des cafés ou autre. Et à ce propos, donc, moi aussi, j'étais un peu confrontée donc, à faire des efforts. Et à me conformer un peu à ces standards de séduction. Et des amis à moi n'hésitaient pas un peu à revenir à mon aide avec leurs propositions. Et j'ai entendu, j'ai écouté de toutes les couleurs, quoi. Donc au début, on m'a demandé de changer un peu ma façon de m'habiller. On m'a dit, bah écoute, c'est pas avec des jeans, des baskets que tu vas attirer un homme. Il faut que tu portes des jupes, des robes et tout. Bon, je me suis bien exécutée à l'exercice. Et je trouvais un certain plaisir à m'habiller de la sorte. Et puis c'était la deuxième proposition par rapport à mon visage, que je devais me maquiller pour avoir une bonne mine, etc. etc. Jusqu'au jour où on m'a proposé de changer mon accent. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, juste pour expliquer que je suis originaire du Kef, ce qui donne que, comme résultat que j'emprunte un accent purement régional et qui est un peu différent de celui de la capitale. Et en me demandant donc de changer un peu mon accent, on sous-entendait que je vais le dire, voilà, que l'accent kéfois est un peu ringard, c'est pas très séducteur. Bien évidemment, je n'ai pas changé d'accent. C'était hors de question, c'était une ligne rouge à ne pas dépasser, ça touchait un peu à mon identité. Et en fait, pourquoi je... Merci. Merci. Et en fait, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est que suite à ces tentatives un peu de séduction, dont j'ai accepté quelques-unes, d'autres non, j'ai commencé à me poser des questions. Et je me suis dit, jusqu'à où sommes-nous prêts à aller pour séduire l'autre? Jusqu'à quel degré sommes-nous prêts donc, à devenir une autre personne, dont le but donc de charmer Monsieur X ou Madame Y? Platon a dit un jour que le beau, c'est la splendeur du vrai. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, mon côté vrai ne suffit plus à séduire? Qu'est-ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, donc, je me trouve un peu contrainte à vivre dans le paraître et à me conformer à des standards soi-disant de séduction que je n'ai même pas demandé qu'il ait d'exister? Et bien, c'est que malheureusement, nous vivons dans une époque où le superficiel n'a pas de limite. Et que ce superficiel ne touche plus nos consommations matérielles, mais nos relations entre humains. Et il me semble aussi que là, on peut déjà comprendre pourquoi certaines filles nous disent que la concurrence est rude. Ben, c'est normal, chacun veut se mettre en avant, avoir de l'ascendance sur l'autre, jusqu'à devenir personne étrangère. Et donc nous sommes emportés par une course folle, frénésique du paraître, dont on ne connaît pas un peu les limites. Et on oublie que l'être humain, qui est un être très intelligent, c'est un être limité aussi. Au bout de cette course, il va s'essouffler, se fatiguer et jeter l'éponge. Je ne sais pas, vous pouvez me prendre pour une personne un peu trop spirituelle ou morale. Et ce n'est pas comme si je vais sauver tous les célibataires de la planète, bien que j'aurais adoré. Mais je me dis, si chacun de nous, il fait un petit effort sur son côté vrai, si chacun de nous, il tolère les défauts de l'autre et se laisse tolérer ses propres défauts.
Il admet que l'autre qui est en face de lui est un être humain, qui est parfait dans son imperfection. J'ai la nette conviction que nos relations humaines et nos relations de couple iront beaucoup mieux. Et pour clôturer donc mon talk, je vais vous parler un peu de Jacques Brel, qui a écrit un jour un ensemble de souhaits, une liste d'une subtilité très, très touchante. Donc il a dit je vous souhaite des ravins non plus finir, je vous souhaite des chants d'oiseaux, je vous souhaite des rires d'enfants, etc., etc. Et puis il a clôturé cette liste avec une phrase très simple d'apparence, très profonde. Et c'est avec quoi donc je vais clôturer moi aussi mon speech. Il a dit « Je vous souhaite surtout d'être vous ». Et c'est ce que je nous souhaite à tous. Je vous remercie.